À l'occasion de la fête de la Sainte Patronne des sapeurs-pompiers, Sainte Barbe, le service départemental d'incendie et de secours de la Manche a inauguré son centre départemental de formation, implanté sur la commune de Le Désert, au centre du département de la Manche. Il a pour objectif de former les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels du département. Il permet, par l'intermédiaire d'outils pédagogiques, de les former dans les domaines d'activité du secours à personne, de la lutte contre l'incendie, des opérations diverses, afin d'être performant en situation opérationnelle. Les formations s'effectuent grâce aux effectifs de formateurs permanents et formateurs volontaires issus des différents centres d'incendie et de secours du département. Ces stages touchent tous les secteurs d'intervention, le secourisme, le secours routier, la mise en œuvre des pompes des véhicules, l'évacuation, les feux sur des véhicules à énergie alternative ou l'incendie par l'apprentissage de techniques d'engagement, de progression et d'extinction. Des cours théoriques viennent appuyer les ateliers pratiques. Le centre départemental de formation, c'est bien évidemment se former aux différents domaines d'activité, au secours d'urgence, mais c'est surtout mieux se protéger soi-même par rapport aux différents risques auxquels on peut être confronté. Le centre départemental de formation favorise le renforcement du centre de secours de Saint-Jean-de-Dé qui est situé à proximité, ainsi que le pavillon des énergies qui permet aux stagiaires de bénéficier de repas. À bientôt sur tevie.tv.